En fait, là, elle n'est pas hospitalisée, elle est juste aux urgences. Elle attend de faire tous les examens et tout. Et après, il faudrait que j'aille la chercher quand elle aura fini. Donc, dans au moins 3 heures, tu vois. Ouais, donc tu vas la chercher du coup. Ouais. Mais ça va, elle... Sa voiture, elle est épave, donc ouais. Elle a plus de voiture. Mais ça va, elle a rien cassé? Non, elle a rien de cassé, elle a juste dit qu'elle a hyper mal à la tête. Bah, normal, normal. Bah, franchement, le plus important, c'est qu'elle soit encore en vie, hein, franchement. Ouais, c'est clair. T'as, je te jure, je suis arrivée devant les voitures, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis sûre que c'est elle. Et la voiture était sur le toit et tout. J'ai dit, ouais, délire. Je sais même pas comment elle a fait, elle est sortie toute seule et sous la voiture. Mais elle était toute seule? Ouais. Ah ouais, il n'y a pas quelqu'un d'autre avec. Putain, je te jure, je regrette de pas être allée avec elle. Ouais, ouais. Bah alors, après, si vous étiez venu à la voiture, il y aurait eu des blessés aussi, peut-être. Ouais, bah ouais, mais bon. C'est compliqué. Après... Dis-toi, au moins tu veilles sur elle, et elle veille sur toi, vous êtes solidaires, c'est bien. Ouais, c'est clair. Bon, je pense qu'on me dit ça, en fait, un peu, non? Ouais. Mais t'as des soeurs, et des soeurs? Oui, j'ai deux petites soeurs, ouais. Ah ouais, t'es l'aînée. Oui. Et Pauline, elle a des frères et soeurs aussi? Ouais, elle a pas mal de monde, elle, dans sa famille. Je crois qu'elle a... Elle a deux frères et deux soeurs. Ah ouais, elle a pas mal de monde. Ouais. Mais vous êtes connus comment? Au boulot, en fait. Ah, ok. Ben, si tu veux, elle était dans le même lycée que moi. Ouais. On s'est jamais parlé, on s'est parlé quand elle est venue au boulot. Ah bah ouais, ça arrive parfois. Bah ouais. Il y a des gens dans mon lycée, tu leur parlais jamais, et quand plus tard tu travailles avec eux, bah tu leur parles. C'est clair. T'as fait quoi comme bac? J'ai fait un... Bac pro ASSP, accompagnement soins et services à la personne. Ah ouais, je vois, je vois. Ouais. Moi j'ai fait ES. C'est général ça, non? C'est ça, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est... Mais l'avantage des bacs pro, c'est que tu rentres pas trop dans le monde du travail rapidement. Ouais, c'est ce que je voulais, moi. Alors quand tu fais général, généralement, c'est des... Moi, tu peux t'arrêter en plein milieu, tu vois, mais généralement, tu fais des études, des longues études, ça dépend des gens. Bah ouais, les bacs pro, t'alternes avec les stages et tout, donc c'est bien. Ouais, parce que c'est vrai que quand on a la fac, on fait pas forcément des stages. Pas forcément des stages. Ouais. C'est obligatoire, non? Même. Oui. C'est pas galère à trouver des stages? C'est pas galère? Non. Bah, c'est le collège qui cherchait. Enfin, c'est le collège. C'est le lycée qui cherchait des stages pour nous. Ah, c'est pas vous qui avez à chercher? Non. Ah, bah, ça va, alors. Ouais, ouais. T'as mangé du coup? Tu as mangé du coup? Non. Et là, justement, ma carte, elle est muette, faut que j'aille à la banque. Ça se saoule, ça. On s'est déjà arrivé carte muette. Ouais, tout le temps. On laisse tomber. Du coup, faut qu'il remagnétise, je pense. Le truc, elle doit avoir démagnétisé. Bah ouais. Donc, je fais attention que je la mets, quoi. Pas après une clé, tout ça. C'est clair. Non, mais ça fait un peu la honte, c'est quand t'es là, t'es devant, t'as fait toutes tes courses et là, tu mets carte muette. Ça fait un peu le seul, tu vois. Ça casse les couilles, ça. Ça casse trop les couilles. Et tout le monde te regarde, tu sais. Même la question, elle te regarde, genre. Putain. Non, mais pardon. Je me sens trop seule au monde. Moi, c'est pour ça mes courses, je paye toujours en liquide ou en chèque. Toujours. Ah ouais, t'as raison, t'as raison. T'as raison. Sinon, t'as revu le tatoueur? Ben, je l'ai vu hier après-midi quand il m'a tatoué, du coup, et hier soir, il est venu à la maison, ouais. C'est bon, c'est sa deuxième maison, là. Ouais, à mort. Mais du coup, il habite même chez toi? Hein? Il habite même chez toi? Attends, t'as bugué, ça te dit quoi? Il habite même de chez toi? Non, 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 du tout, il habite à... 5 minutes. 5 minutes? Ouais. Mais en fait, c'est ton voisin, en fait. Ouais. Bon, 10 minutes plutôt, 10 minutes. Et parfois, tu as fait lui parfois, non? Ouais. Et bon, la fin, elle est bizarre, hein, vraiment. Ouais. Je sais pas trop quoi penser avec lui, c'est bizarre. Et moi, j'aime pas les relations comme ça, tu vois. Tu sais pas où tu vas.
C'est là que tu navigues. Ben, c'est bizarre parce que il m'a dit, enfin, on est plan plus plus plus, mais il fait tout le temps des allusions en couple et tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, j'ai l'impression que toi, tu sais ce que tu veux, mais lui, c'est pas trop. Lui, il veut prendre son temps en fait. C'est-à-dire, c'est Voilà. il veut pas se mettre avec moi, sachant que je sors à peine d'une relation. Il a pas envie que je me serve de lui comme un pansement, tu vois, pour oublier Ouais. mon ex. C'est pour ça. Enfin, voilà. Mais lui Ouais. aussi, il a une copine à distance. Ouais, mais ouais. J'avoue. C'est compliqué, vos situations. Mais après, c'est un contexte bizarre, ouais, parce qu'en fait, il s'est retrouvé en couple avec elle, il a pas compris pourquoi, tu vois, alors. Sont C'est pas déjà vus? que oui, ce sont bah, elle est déjà venue ici du coup, chez nous, enfin chez lui plutôt. Et il a dit enfin voilà quoi, elle est restée 15 jours, mais elle lui faisait des crises de jalousie pour tout, parce qu'il tatouait des nanas, parce que ceci, parce que cela. Enfin voilà quoi, ça l'a saoulé. Ah ouais, mais non, c'est sûr quand t'es enfin en tant que fan. Quand ton mari il est tatoueur, t'es un peu. Il dit, tu dois faire, c'est ça qu'il dit, non? Ben, c'est logique, quoi, tu vois. Enfin, je Mais veux dire, c'est après, comme ça. Si demain je me mets en couple avec lui, je vais pas lui reprocher de tatouer des nanas. Enfin, c'est logique. Il va pas tatouer que des mecs parce qu'il sort avec moi, en fait. C'est n'importe quoi. tatoues quelqu'un, tu touches pas la peau. Ben, non. T'as le stylo, je sais pas comment on appelle ça, t'as le. C'est quoi? Le aiguille, bah, du coup, il touche juste comme ça. Mais voilà, enfin, c'est pas mal ça. Mais à un moment donné, c'est son métier, quoi. Je veux dire. Tu vois, si tu m'aurais dit, pardon, c'est un masseur, là, oui, là, j'aurais compris, tu vois. Si tu m'aurais dit, ouais, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, de ouf. Si c'est un masseur, ouais, là, j'aurais. Là, je sens qu'elle serait jalouse, tu vois, parce que ça veut dire qu'il masse des filles, tu vois. C'est Bah comme ouais. ça. Mais là, Non, c'est c'est pas. Non, là, c'est tatoueur. Masseur, ça aurait été normal, tu vois. Mais tatoueur, ouais, non, ça va. C'est clair. Est-ce qu'il a une réputation, sans être méchant, une réputation de mec à fille ou pas? C'est quoi? Est-ce qu'il a une réputation de mec à fille? Alors, non, mais attends, j'essaie juste de caler le téléphone. Tiens. L'autre jour, parce qu'en fait, si tu veux, l'autre jour, on a un peu discuté et tout, et il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu te vois en couple avec moi? Ouais. Je lui ai dit, bah franchement, dans l'immédiat, non, mais par la suite, ouais, peut-être. Et il me dit, mais est-ce que tu es consciente que si tu te mets en couple avec moi, je vais devoir tatouer des filles, je vais devoir tatouer des nanas à des endroits qui sont un peu intimes et tout? Et je lui ai dit, bah oui, mais c'est ton boulot, quoi. Et après, il m'a dit, est-ce que tu es consciente que je vais devoir aussi. Enfin, est-ce que tu accepterais aussi que je joue de mon charme pour attirer des clientes, tu vois? Parce qu'il m'a dit, voilà, il m'a dit après, il m'a dit. Ça pour faire venir des gens, tu vois. Après, à partir du moment où il est réglo avec moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Je vois. Il faudra, dans la limite du raisonnable, tu vois. S'il demande à une nana de lui envoyer une photo à poil pour qu'elle vienne se faire tatouer chez lui, ça, il n'en est même pas question, tu vois. Je vois. De toute façon, il a son propre salon, il fait pas tatouer à domicile. Bah, c'est un peu compliqué, tatouer à domicile, en fait. Ça, c'est un peu compliqué. Ça, il pourra jamais faire, tu vois. Je vois. C'est un peu. Ouais. Ouais. Mais toi aussi, quand t'as ton métier aussi, tu touches des gens, non? Quand tu fais ton métier à toi. Ouais, mais c'est des vieux, donc c'est encore pas vraiment pareil, quoi. que les personnes âgées, tu soignes. Bon, un gars qui me tape une crise de jalousie parce que je touche un vieux de 80 piges, c'est qu'il y a quand même un problème, hein. J'avoue. Enfin. Enfin, bon, bah, si, dans le cas, bon courage, hein. Et avec Merci. le militaire là, de Pauline, là, ça va, le militaire? Elle l'a vu hier. Ah, il a vu avant l'accident ou après? Avant, ah bon, bah hier, du coup, comme elle a fait l'accident ce matin. Il est venu la voir? Ouais. Mais c'est des débiles. Hier, je sors de la danse. Pauline, elle devait aller le voir parce qu'il habite en fait à une demi-heure de chez nous, tu vois. Ouais. Et quand je sors de la danse, je lui envoie un message. Je dis, Pauline, t'es avec lui là? Elle me dit, appelle-moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors je l'appelle et tout. Et elle me dit, oui, t'es arrivée à la maison? Je dis, non, pourquoi? Elle me dit, bah, parce qu'en fait,
bah, il est à la maison. Et elle, elle était montée en fait chez lui et lui, il est venu ici. Bah ouais. Je dis, c'est pas possible. Du coup, bah, voilà quoi. Ils sont trop cons. Ouais, laisse tomber. Ah, le militaire, il est pas fait de chute, hein. Non, pas trop. Mais à quel âge, il a 30 ans? Ça bouge.